Salut à tous, c'est Ginzu, et dans cette vidéo, je vais vous parler de Nightly, la nouvelle version de l'émulateur PCSX2. Suite à un nouveau correctif important, j'ai mis à jour la vidéo afin de ne pas vous induire en erreur lors de la configuration des contrôleurs. Certains jeux avaient encore un input lag et occasionnaient des reloads en tirant simplement aléatoirement. Tout est corrigé à présent, le correctif fait partie des derniers builds que vous pouvez télécharger. Cependant, il faut à nouveau modifier la configuration des boutons dans le menu contrôleur. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Cette nouvelle version change vraiment la donne pour nous les amateurs de jeux de tir. Le support du GunCon 2 est enfin natif. Ce qui veut dire qu'on peut à présent totalement se passer du plugin Nuvi pour pouvoir calibrer nos light guns. La calibration est hyper simple à présent, plus besoin de retourner décocher une option après avoir calibré le light gun par exemple. On vise, on tire et c'est dans la boîte. Plus d'input lag. C'est vraiment la grosse amélioration à ce niveau-là. C'est un vrai plaisir de jouer à présent. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, l'input lag, c'est le temps de réponse entre le moment où vous lancez une action et le moment où cette action est réalisée dans le jeu. Par exemple, un clic sur la queue de détente et le moment où le tir part réellement dans le jeu. Le plugin Nuvi vous permettait de jouer certes, mais il occasionnait un énorme input lag qui réduisait énormément le plaisir de jeu. L'interface de l'émulateur a un peu changé et elle est plus simple. Plus vraiment besoin d'aller jouer avec les plugins comme dans l'ancienne version. Déjà, rendez-vous sur le site de l'émulateur PCSX2 et récupérez la version Nightly. Première chose, il va vous falloir les BIOS de la console. La CD dans le répertoire BIOS à la racine de l'émulateur. Ensuite, indiquez le chemin vers vos ISO dont vous possédez les originaux bien entendu. Je vais survoler rapidement l'interface. Moi, j'ai juste coché Hide Cursor in Full Screen et j'ai décoché Double Click Toggle Full Screen. Ensuite, j'ai coché Start Full Screen. Dans Graphique, sélectionnez votre carte graphique dans Adaptateur. Vous pouvez laisser le rendu, Renderer par défaut. Normalement, il va sélectionner Vulkan. Selon votre matériel, Vulkan peut ne pas être pris en charge. Dans ce cas, essayez les autres moteurs de rendu graphique. Pour Aspect Ratio, j'ai sélectionné 4 tiers, mais vous pouvez essayer les autres rendus à votre guise. Toutefois, j'ai lu qu'il pouvait y avoir des problèmes d'offset de visée du light gun dans les autres modes que 4 tiers. Tout en bas, j'ai laissé cocher l'anti-blur et je n'ai rien changé d'autre. En revanche, je vous conseille d'aller modifier la résolution interne pour profiter de graphiques beaucoup plus agréables. Moi, j'utilise toujours mon écran HD, donc je ne monte jamais au-delà de 3x native. Maintenant, allez dans Contrôleur. Dans Global Setting, j'ai coché tout ça, mais votre besoin peut différer du mien. Le reste se passe dans ces deux sous-menus. Cliquez sur USB Port 1. Tout en bas de la liste, sélectionnez GunCon 2. C'est ici que vous allez pouvoir affecter vos boutons pour le light gun. On a aussi la possibilité de créer des profils et on pourra ensuite les affecter sur un jeu particulier. On peut créer un profil à l'aide du bouton New Profile. Pour les touches D-pads, j'affecte les touches de direction du clavier. Sachez également que j'utilise deux pédales et que celles-ci utilisent les touches clavier left et clavier right. Affectez le bouton trigger sur la détente de votre pistolet. A présent, n'affectez plus rien sur shoot off screen, c'est l'un des principaux changements depuis le fixe apporté par les développeurs. Le bouton calibration shot ne doit plus être le même que celui que vous avez affecté au trigger. N'affectez ni le bouton de tir ni le bouton que vous utilisez pour recharger. C'est indispensable, sinon vous allez au devant de nouveaux bugs. C'est ce bouton que vous utiliserez pour tirer lorsque vous serez à l'écran de calibration. Moi j'ai un troisième bouton sur mes light guns et il correspond au bouton middle mouse. Pour sélectionner start, choisissez ceux de votre choix. Moi, ils sont placés sur mon panel. Pour les jeux de la série Time Crisis, j'ai créé un autre profil. Ici, on voit que j'ai affecté keyboard left qui correspond à ma pédale de jeu sur le bouton C. J'ai également affecté le middle mouse bouton au bouton A sur ce profil mais aussi sur le bouton calibration shot. Pour Gunvary Collection, comprenant les jeux Gunbullets et Time Crisis 1 de la PlayStation 1, le bouton Reload correspond au bouton A du Guncon. J'ai créé aussi des profils pour Virtua Cop Elite Edition et pour Vampire Knight. Pour Virtua Cop, il faut mapper le bouton Reload sur le bouton C, pour Vampire Knight sur le bouton A. En retournant en arrière, je vous montre comment affecter un profil à un jeu particulier. Clique droit sur le jeu, puis tout en bas, il y a un menu déroulant. Input Profile. Sélectionnez le profil que vous voulez, et c'est tout. Encore un truc, le jeu Endgame a une particularité.
vous allez non pas devoir configurer le port USB 1 pour le player 1, mais le port USB 2. Ici aussi, j'ai créé un profil spécial pour ce jeu et je lui ai affecté. Je vous laisse à présent avec quelques gameplays, histoire de vous donner envie de vous y mettre si c'est pas déjà fait. A plus et bon game. Action. Freeze! Fire!
action!